Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va plaire et apporter une solution à pas mal de monde. Pourquoi ? On le sait, aujourd'hui, tout se fait par Internet. Les jeux vidéo, enfin, tout se fait. Les impôts, machin, tout ça, on s'en fout. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Pourquoi et quel est le rapport ? Les jeux vidéo, on le sait, ça demande de la ressource, ça demande du débit, ça demande pas mal de choses. Et parfois, c'est compliqué de relier un câble à sa Livebox, à sa Novebox, à sa... Peu importe, on s'en fout, à sa box. Ou alors, il faut un câble très long, on perd du débit. Les CPL, c'est pas toujours évident. Bref, c'est la galère. On a eu le cas ici, sur le PC de madame, qui est là-bas. La box est ici, son PC là-bas. Pas assez de longueur de câble, c'est la galère. On a essayé les CPL. Les CPL, c'est parasité. Même si le réseau électrique est neuf, le débit est pas génial, il y a des coupures. C'est la merde. Donc, je cherchais une solution Wi-Fi pour lui permettre de jouer, me permettre de streamer, tout faire, donc un bon débit quoi. Et je l'ai trouvé avec, tac, ceci. Le D-Link Ultra, enfin le AC1900, qui est une petite boule, vous allez le voir, Wi-Fi, mais qui monte à des débits vraiment impressionnants, de l'ordre de 1 giga, un petit 1 giga 9 speed en AC, donc c'est une toute nouvelle norme, ce qui est très bien, parce que comme on a la nouvelle Livebox, c'est 100% compatible avec. On va voir que c'est design, que c'est bien. Parce qu'on le sait tous, les clés Wi-Fi, le point faible, c'est... Enfin, il y a deux points faibles à une clé Wi-Fi, il faut le savoir. Il y a son débit, forcément, où il y a énormément de normes. Et il y a également le fait que ça soit USB. Voilà, l'USB, forcément, entre un câble qui est branché directement au réseau et l'USB qui doit traiter les données, l'USB est toujours un peu plus lent. Là, vous verrez au moment du déballage qu'on est en USB 3, ça apporte déjà un petit boost. Au niveau des caractéristiques. Ultimate Wi-Fi Performance, AC1900 Speed... Dual Band Wireless, 2,4 Go et 5 Go, ça maintenant ça devient standard. Advancem AC Smart Beam, en gros c'est Focus Wireless Signal, ça concentre le signal Wi-Fi, pour résumer. Hein. Bon, USB 3.0 comme je le disais, ce qui augmente le transfert entre le PC et la clé, ce qui est très bien. WPS et c'est compatible avec tout ce qui se fait en matière de réseau. Je vous montre la boîte, on va passer sur un plan dessus, je vous montre la boîte, je vous déballe ça. Et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, donc ça se présente sous la forme, vous voyez, de cette petite boîte. La clé Wi-Fi n'est pas vraiment une clé puisqu'il s'agit d'une sphère ici. Le design était sympa en plus des performances. Sur le côté, on retrouve tout ce que je vous ai dit au niveau des caractéristiques. À l'arrière, bon, le texte, les références. Et ici, on retrouve le dos de l'objet, donc avec la connexion USB 3, vous savez, les prises USB un peu plus larges, l'effet LED qui apparemment peut s'arrêter, et le bouton WPS. Ça a l'air complet et design. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Oh, c'est design, en effet, j'aime beaucoup le look du produit. Alors, oh, c'est tout léger. C'est du plastique, mais... Pour du plastique, c'est lourd, mais c'est léger globalement comme produit. Donc voilà, c'est une petite sphère. Ça me fait penser, vous allez dire que je parle loin dans le trip, mais au Grenade Goa'uld dans Stargate. Comme prévu au dos, on se retrouve avec notre USB 3, le bouton pour les LED et le bouton WPS. Donc, dans la boîte, on a donc le récepteur Wi-Fi D-Link, puisque la marque, c'est du D-Link. On a un câble, donc USB 3, hein, la prise, vous la reconnaissez. L'USB 3, je vous dis, c'est aussi un point fort sur le Wi-Fi. Bien sûr, il faut être équipé en USB 3 sur son PC, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais le point fort, c'est que le taux de transfert étant plus rapide, ça compense un petit peu la perte par rapport à un réseau câblé. C'est toujours ça de prix. Le câble en longueur, je pense que c'est un bon mètre. Il y a un bon mètre de câble, voilà. Le petit CD d'installation, il y a certainement, sauf format mini CD, mais donc les manches CD, évitez, hein, les manches CD, c'est pas les amis des mini CD. Donc installé, mais c'est pas forcément nécessaire, je pense. Et les petits manuels, hop, enfin, la petite fiche technique. Ou, ah bah oui, faut installer le CD en premier, donc ça veut dire qu'il y a un petit logiciel D-Link intégré pour gérer son Wi-Fi, et derrière on retrouve un petit peu tous les produits réseau, donc NAS, routeur, modem, antenne Wi-Fi, que D-Link fait. Voilà. Bon alors, mes premières impressions juste après le déballage. Le design est beau, sur le papier les performances ont l'air très bien,
Je regrette un peu que ça soit pas du plug and play, qu'il faille le mini CD, parce que ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais bon. J'allais dire une connerie, j'allais dire au pire il suffit de télécharger le pilote. Mais généralement, quelqu'un qui achète ça, c'est parce qu'il a pas d'autre solution que de mettre du Wi-Fi sur son PC, et donc pour télécharger le pilote, c'est pas génial, c'est comme Orange qui vous dit que pour retrouver votre mot de passe, faut aller dans votre boîte mail. C'est de la connerie. Donc le design est beau, ça a l'air très sympa comme ça. Donc au niveau du câble, j'en reviens ici, on est sur de l'USB 3, vous voyez, ça se connecte comme ça, et après vous allez le brancher sur votre PC, bien installer le CD d'abord. Au niveau des points forts, je vais dire le look, ça s'intègre facilement sur un bureau, quoi. C'est plus pratique, et vu que c'est une antenne qui a posé, c'est certainement mieux au niveau réception qu'un petit bitonio, qu'une petite clé bloquée au milieu des câbles. Le design est très bien. Le côté plastique est pas inquiétant plus que ça. La longueur du câble est tout à fait correcte. C'est un gros câble en plus, bien épais, assez rassurant. Je regrette juste qu'il y ait ce système d'installation via CD à faire. Je trouve ça un peu ridicule à l'époque où on est. Je vais aller le brancher sur le PC de madame. Donc le fond d'écran et autres vont être un petit peu différents d'habitude. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc je vous ai mis quelques images, mais l'installation c'est super simple. Vous mettez le CD, vous branchez en USB, ça s'installe super vite et tout seul. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton WPS derrière, on appuie sur le bouton WPS de notre box, ça se connecte. Et des petits tests que j'ai réalisés, franchement les débits sont... pour jouer, c'est vraiment aucun problème. Je peux vous dire que vous aurez aucun problème pour jouer grâce à cette petite clé, grâce à cette clé Wi-Fi haute performance de chez D-Link. Voilà, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu et intéressé. Peut-être elle vous aura apporté une solution si vous aviez ce problème de réseau. Quant à moi, c'est un produit que je vous recommande, vraiment. Et je vous retrouve très bientôt sur tous les réseaux sociaux, ils sont tous en dessous aussi, et dans une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao.